هات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، من خير إيمان سير الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin, nous fait son louange, nous remercie pour toutes ces bonnes faveurs. Alhamdulillah, nous remercie un remerciement spécial. Il peut faire nous rejoindre dans sa masjid-là, dans sa lakaz-là, pour nous commencer une deuxième explication concernant les contraires qui parjoint dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier sujet qui nous est traité, c'est vertu de tawhid et gravité des shirk. Et c'est dans sa façon là qu'il nous apprend. Et ça dit qu'il chose là, tawhid, pas qu'à parjoint ensemble avec shirk. Soit pour une asana là, soit pour une autre là. Mais les deux ensemble, dans un dimoun à la fois, tawhid et shirk, pas qu'à parjoint. Comme ça même, sunna et bida, c'est des qui choses, c'est des opposites. C'est des qui choses opposées, soit ou le sunna, soit ou le bida. Un entre les deux. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour sa grande faveur et nous remercions les fins faire nos jeunes ici, inshallah, pour nous mettre la lumière, l'eau. L'importance sunna et gravité bid'a. Alors, si nous guettons alentour de nous, quand nous guettons alentour de nous, et quand nous retournons vers ma prédiction que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait faire, c'est pas un petit guide bid'a qui peut apparaître. C'est beaucoup bid'a qui peut apparaître dans la dernière époque. Beaucoup. Bida, India, avec ce bon Sahaba, c'est lui qui vous vit parmi eux pour trouver beaucoup de divergences. Et pour avoir beaucoup Bida, et comment nous pouvons sauver depuis ça, le posteur peut-être nous fait une trolley, nous fait une petite parole d'un grand imam, Sunna, dit comment dire, partout de nous, délice pour venir là. Allah pour détruire partout, c'est lui qui monte dans bateau nous, il sape. Comme ça même, banan considère sunna par ulama, il considère sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous parlez au sunna ou dans les grands, mettez ça bien dans la tête. Mettez ça bien dans la tête. Jamais nous sommes capables, comment dire, mettre un lipier ici, un lipier là-bas. Un jour, nous sommes capables de mettre le bida, de mettre le sunna. Soit le sunna, soit le bida. Nous trouvons dans un adjoun, il y a pratique sunna et la pratique bida aussi. Ce qui nous permet de faire comprendre. Quand nous pouvons dire soit le sunna, soit le bida, ça veut dire qu'il y a zéro sunna dans lui. Mais uniquement dire, on met les pieds dans un bateau, les pieds droits dans un bateau, les pieds gauche, ou puis aller comme ça. Mais combien de temps on peut aller comme ça pour arriver à un moment donné? Ou peut tomber. Ou peut tomber dans les gommes. Alors, alhamdulillah, nous pouvons apprendre, inshallah, dans la communauté session, nous ne pas connaître. Mais c'est assez long, ça, là. Comme on peut dire, il est capable de plus de 5 à 6 mois. Plus capable. Nous pouvons essayer de raccourcir, Inch'Allah, et nous vous prenons l'essentiel de sa explication-là, l'importance sunna et gravité bida. Alors, ce qu'on veut dire sunna, mon frère et mon soeur, c'est pas vraiment sunnat. Et là, nous finissons. Et chaque phrase, je vais nous supposons faire des sunnat. Nous ne pouvons pas causer ça, sunnat là. Nous pouvons causer, quand nous disons sunna, c'est tariqa de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est tariqa de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il nous le tariqa, le sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans nos ibadats, dans nos bonnes transactions,
dans nos comportements, dans nos caractères, dans nos habillements, dans nos façons coiffées, dans nos façons marcher, dans nos façons à toilet, dans nos façons manger, boire, lever, dormir. Est-ce qu'il nous le sunna du prophète alayhi salatu wasalam? Et surtout concernant ibadat. Et surtout concernant ibadat. Faire beaucoup ibadat, bien bon, s'il est le sunna. Faire beaucoup ibadat, s'il n'a pas le sunna, pas bon du tout. Ibn Mas'ud radiallahu anhu dit al-iqtisad fi sunna khayr min al-ijtihad fi al-bid'a. Mou fait tigit action qui est le sunna, ça lui meilleur qui vous fait beaucoup action qui base au bid'a. Ça c'est sahaba de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est pas ce qu'il m'a dit, vous pouvez faire quantité, vous pouvez faire un godam, vous pouvez vous faire un godam là. Non, il n'est pas comme ça, ça. Si mon action n'a pas le sunna, il est rejeté, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient dire nous. Il dit man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. C'est lui qui fait une action, une seule action qui n'a pas d'après nous l'enseignement, il est rejeté. Il est rejeté. Alors ça va le hadith, ça va le frère, ça va le vous venez avec nous, incha'Allah, mais ça nous peut introduire le sujet. Alors ça c'est sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire tout ce qui m'a fait. Ça n'a pas dit ça, X n'a pas dit ça, X n'a pas dit ça, par exemple, qui n'a pas dit ça. Y India moi, Y pardon le qui India moi. Alors tout qui chose qui gagne enseigne moi et moi me mettre en pratique, mon besoin sur mon point qui lit le sunna. Parce qu'il y a une chose qui est capable d'exister dans din Allah, mais c'est pas de mal pratiquer l'imbi. Un bidan, vous donnez un exemple. Un qui chose qui est capable sur l'origine dans din Allah, il y a une pratique, mais seulement si mon mal fait aller un bidan. Nous tout faire courbani ici, nous tout, vraiment si. Nous devons courbani. Si moi, comment dire, moi, comment vous êtes ici, Jamaatul Muslimin, ou Bakri, comment vous êtes Namaz Fajr, moi, la case. Premières affaires qui vont faire, mon trappe, mon animaux, mon coupé, un seul point fini, moi. À ce que mon Namaz, il finit, bonheur, mon parcours de belle mère. Qui se dit ça? Bon, pas bon. Zouïd, mon coup, mon courbani, vraiment. Pas Zouïd, là. Quel problème là, il y a là-dedans? Quel problème là, il y a? Pas Zouïd qui va faire courbani, là? Kurbani sunna bi da sa. Sunna aussi. Mais quoi le problème là été? Parce que Bakri même mon fait seulement mon fait avant namaz. Eid. Mon fait avant namaz il vient bi da sunna là. Il vient bi da. Là il est arrivé dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un sahaba quoi, il réalise fait aller les gens dit OK, il considère comme un animal tenu égorgé quand famille vient que toi refaire le kurbani même. Réfère notre Qurbani parce que Qurbani lit après Salat al-Eid. Après ça, Fasolli li Rabbika, Wanhar, Mokonu, Tukon, Surala. Sura al-Kaw, al-Kawthar. Fais Salat avant Léla al-Egoz, tous animaux, al-Imol, tous animaux. Donc, concept qui appelle Bida, Sunna, Ban Frère, li en parmi ban l'aspect plus important dans Dina Allah. Qui fait? Mon Islam repose l'Ola. Mon islam repose là, la namaz infinie là, namaz Isha. Comment namaz Isha finit qui me dit Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Moi, je vais continuer. Ou si je vais vous faire 10 mois, qui est le problème là-dedans? On va dire Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Papa, c'est-à-dire, pas là, qui est le problème là-dedans? Il y a un problème, il y a un problème là. Oui, il y a un gros problème là, qui fait là? Parce que dans Dina Allah, il y a certaines ibadat qui sont limitées avec un nombre. Une fois qu'il me dépasse ce nombre-là, me dépasse la quantité-là, soit je fais en plus, soit je diminue, je tombe dans la bida. Ça, c'est la bida idrafi. Il est déjà là, c'est l'origine, il est là. 33 fois, subhanallah, 33 fois, alhamdulillah, 34 fois, Allahu Akbar, une façon de faire un cas. Moi, je dis 34 fois, virer, tourner, 2023, pas les mêmes, 34 fois, 68, je fais moi. Qui problème est-ce que je fais 68 fois, Allahu Akbar? Pas bon? 34? Maman, notre promotion, on fait 68 tout le mois. Les lames qui nous retournent avec parole d'Ibn Mas'ud, il dit Al-Iqtisad fi Sunna, khairum min al-Ijtihad fi al-Bida. Mon contentement avec Tibit Ibadat, le Sunna, ça les meilleurs qui vont faire beaucoup Ibadat qui l'obé? L'obé. Je ne comprends pas comment l'action est une Bida. Alors, ça, c'est un. Inch'Allah, peut-être, quand nous commençons à faire Bida, gravité Bida, nous pouvons cause l'Ola, le ça, 6 points.
nous devons prendre compte six petites choses quand nous devons faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Nos ibadat nous devons en conformité avec la sunna dans six caractéristiques. Dans quantité, dans façon, dans l'air, dans place, dans genre et dans modalité et dans cause. Six. Nous avons une cause qui fait nous faire ça ibadat là. Quand nous rentrons dans la masjid, azan pour vous donner. Quand on va dans la masjid, azan pour vous donner. Qui nous fait mal? Nous faisons la fête sur la hand. Fini la fête, fini la ventilateur, fini la lumière. Qui nous fait? Diafou, nous faisons 10 rakat. Comment appelle ça? Tahiyatul masjid. Appelle ça Tahiyatul masjid. Qui fait un jour, il n'y a pas de moi faire sur la dame. Qui fait un peu faire ça? Qui m'a dit? Parce que les prophètes finissent dire qu'en rote dans la masjid, pas assisé, excepté après avoir fait 10 rakats qui appellent Tahiyatul Masjid. Claire? Allez. Moi, mon vieil, moi, je me dis, rentrez, faire des rakats dans la masjid. Quand je rentre, je fais azan pour vous donner, je fais une sunnat de fil pour faire, je rentre pour faire Tahiyatul Masjid, moi, c'est moi dans la azan. Quand azan, je donne mon vieil sunnat, c'est pas bon. Bien, bon. Assez moi avant mon la case, je fais une analogie là. Je dis, ah ben, si rentrer, faire des moi ajouter, vous faire des quand sortir. Je fais des qui appellent Khouroujul Mazid. Ça s'appelle Tahiyatul Mazid, Dukhulul Mazid, là, je fais Khouroujul Mazid. Quand je sors de la Mazid, je fais des rakats. Qui m'a dit, félicitations. Bien bon. Ça, oui, ça m'a dit, mon qui compte en Allah. Ça m'a dit, mon qui compte en Rasulullah. Mais Namaz, c'est pas qu'un renversé. Vous pouvez empêcher de faire Namaz. Empêche-moi de venir dans la case Allah faire namaz. Non, non, non. Viens rester dans la case Allah si on vient de verset 24 et 13, c'est pas un problème. Mais pas faire bida. Pas faire, pas avoir. Peine une cause. Peine à l'époque, pas dire quand nous sautons dans la masjid avant nous sautons, faire des rakats sautis. Non, il y a quand on rentre, faire des rakats assis, assis. Claire, mon frère. Alors, Inch'Allah, il faut venir ça. Si nous, quand nous disons, il va avec Allah, il vient avoir la sincérité. Ça nous dit d'accord. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, il vient avoir le sun. Sunna de Rasulullah pour un ibadat appel compatible avec sunna nous visons réalise six petites choses réalise six petites choses et nous visons en bref là inshallah pour venir plus de détails quand nous propose bida inshallah nous prenons un exemple pour comprendre comment un ibadat est une bida pas nécessaire ça ibadat qui dit on ne fait pas exister du tout dans din la même une bida non ça oui s'il n'est pas existé du tout même bida. Mais il est capable d'exister. Nous n'ajoutons quelque chose en lui, nous disons quelque chose, il est une bida. Je vais vous donner un exemple. Là, nous commençons avec l'importance sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok. Nous arrivons Qurbani encore. Nous prenons l'exemple Qurbani encore. Nous arrivons Qurbani. Clair? Alors, ça n'a pas pour sauver le porc. Ça n'a pas qui petit pas qui porc. Le dana pas qui côté, etc. etc. Claire, moi avec Bay Hayan Govinda, nous avons un plan, un bœuf 68 000 roupies, 70 000 roupies, assez haut ça. Dans le route 4-5, yéb nous vini dans Karokan. Dans le route 4-5, yéb dans Karokan nous vini gratis pour gagner ça, d'établissement. Hein? Quand nous n'allons pas 4-5, il y a une douzaine de gagner. Maman, papa, petit, tout nous prenons une vie. Claire? Une semaine avant nous finir amener, nous amener une grosse idée parce que les prophètes disent quand soigne aux animaux, un problème de sunna dans le Qurbani, c'est nourrir aux animaux. Nourrir, il y a une commande de doux. Grossissez par égalité. Au Qurbani, nous commençons à couper. Vraiment, c'est Bismillah, Allahu Akbar, tout. Viens à côté, Kibla, tout, Masha'Allah, Tabarakallah. Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, sali ma part pour toi, sali depuis toi. Je peux égoïser le tonneau. Bismillah, Allahu Akbar. Bien, bon. Cette porte, mon frère. Mon apport à tout. Un pauvre, mon God, pour moi. Un pauvre, mon cadeau, mon famille, camarade. Un pauvre, mon man pauvre. Félicitations, vraiment. Bon, va bon. Yev halal, vous mangez? Yev halal. Yev halal. Mais qui est le problème là? Diamant Kouba? Hein? Non, mais diamant, il n'est pas halal. Il est halal, halal. Diamant Kouba? Il est halal? Je suis tout d'accord, il est halal. Mais qui fait un peu de couple? Il est comme un démon raisonné aujourd'hui. Mais qui est le problème là-dedans? Votre problème là, Kouba? Mais si vous allez bien, il est moi-même 4-5 CF. Vous pouvez aller l'autoroute d'une traversée, mais vous tapez au lit, vous tapez sur la patte, après vous pouvez amener mon guéri tout, mon nourrit,
Après, pour le bâtiment, on ne peut pas s'y ressembler B fin, un peu plus gros, c'est B. Halal, c'est à quoi halal? Halal, mais qui fait au pied en paiement pour pour le bâtiment. Parce que les prophètes indiens, ça y va, d'être là, bisous, faire, avec 10 trois qualités. Vous savez, avec le genre, nous bisous, satisfaire sa condition qui appelle gender. Clair? Vous bisous, servir sans animaux là pour faire pour le bâtiment. Sans animaux là, vous faites Akika. Vous ne pouvez pas inventer dans Dina là. Combien de monde peut-être pas mal prendre, nous ne l'avons pas prendre. Et vous ne pouvez pas plus connaître qui sont, peut-être vous plus connaître que moi, nous venons porter nos connaissances. Clairement? Alors, combien de monde pour Akika, les coupes bœuf? Vraiment, ils prennent pas pour Bani, ils prennent pas pour Akika. Vraiment, je ne dis pas que vous ne pouvez pas. Ça va être causé là. Oh, et là, ça va être là. Et là, d'accord. Correct, pas correct. Correct, pas correct. Faire Akika avec bœuf. Pas bon, c'est val. Hein? Même les gars, ils sont des morts sur le bœuf. C'est val halal pour manger pour donner l'information. Pas rien, moi. Qui fait pas rien, moi? Parce qu'Akika, il vient faire avec tel type des animaux. Je ne comprends pas, frère, comment aller une bida. Il vous venez plus avec détail. Quand nous vous causons, bidan, inshallah, dans des j'aime voler. Le fait qu'il est loin pour arriver là-bas, nous faisons sa introduction, le sunna et bidan. Donc, sunna, c'est tout qui chose qu'il est brut fin dire, fin faire, et les fin approuver. Tout qui chose qu'il est brut fin dire, les fin faire, et les approuver. Dire, il dit un hadith, par exemple, il dit, là, par exemple, là, ta'koulou bishimal, fa inna shaytona, ya'koulou bishimal. Pas manger avec la mégosse parce que c'est Shaitan qui mange avec la mégosse. L'in dire. Et l'in fait tout. Quand l'in mange, l'in mange avec la main droite. L'in dire, ça petit garçon que tu veux manger ensemble avec lui, koul bi yamini, mange avec toi la main droite. Et l'in dire, plus lui-même il mange avec la main droite. Ça appelle la sunna de Rasulullah. Clair? Faire et call. Et il y a une petite chose qui appelle approbation. Qui appelle? Appelle ça taqrir. Les prophètes, il approuve une petite chose. Il reste tranquille, il va dire non. Il reste tranquille, il ne va pas dire non. Parce que si il est haram, si il est détestable, il vous dit non, pas faire ça. Vraiment, tu sais. Donne-moi un exemple, Hagan Govinda. Hein? Dieu doit demander les ordres, il dit une grosse les ordres de ma zite d'ailleurs. Hein? Dieu les ordres du désir. Appelez les ordres du désir, appelez la drop. C'est un animal, un reptile plutôt, il vit dans. Dans les airs, il commence à grandir mangousse. C'est mal, il pas grandir mangousse pour ne pas être poil, c'est pas qui non. Après, les airs, il les airs. Il pas ressembler à l'iguane, non. Vous voyez? Donc, c'est dans l'internet, après, donc, les airs, il les airs, vous trouvez. Ça, c'est un animaux qui reste dans des airs. Et les voyez, il prend l'exemple de ces animaux-là dans le hadith. Il dit, si nous poursuivons Yahoud et Nassara, jusqu'à qui, comment dire, Yahoud et Nassara rentrent dans tous les airs du désert, nous aussi, nous pour rentrer. Sur l'entrée, comme ça vient. Sur l'entrée, il est comme ça. Regardez, si nous, Zif rentre à la moitié, nous pouvons rentrer. Si tant vous comptez suivre Zif, et nous sort. Alors, les prophètes, quand vous mettez ça sur la table, maintenant qu'il finit de couiller, il met sur la table, maintenant, il peut manger, ben Sahaba, il est abstinent, il ne peut pas manger. L'air, ben Sahaba mange devant lui. S'il est haram, il ne peut pas manger, pas manger. Ça, c'est l'exemple, il n'approuve une petite chose. Il reste tranquille. Quand maintenant, il dit, alors, sur la qui fait ou pas manger, il dit, non, il n'y a pas une petite chose qui va dire dans mon environnement ça. C'est-à-dire, je ne suis pas habitué, dis-moi. Je ne pas habitué, dis-moi. Rien. Pareil, comme il y a des gens qui vous donnent pour le broiler, pour manger, vous donnez pour le manger, mais pour le domestique, il va monter à manger. Et vous connaissez une belle différence entre la chair pour le domestique et pour le broiler. Ça, le talent naturel, le talent qui vient manger. Alors, c'est nous, ne pas habitué, il ne peut pas manger. Cabri, il n'est pas habitué, il ne peut pas manger. Comme ça, même les prophètes, ils n'approuvent seulement ça, va manger eux, je t'habitue à ça. Moi, je n'ai pas habitué avec ça. Ça, c'est un tableau, ben frère. Bidan et sunna, inshallah, m'espérer dit clair. Alors, qui fait l'important, un dimon lui suivre sunna de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est suivre hadith de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, applique-le dans nos vies de tous les jours. L'importance là, il est plus clair quand nous sommes dans nous alentours. Quand nous sommes dans nous alentours. Qui nous trouvait dans nous alentours? Dimon peut commettre. Bidan, soit pas inventé, qui n'a pas existé dans Din Allah, soit par exemple, on a un récit qui n'a pas authentique. Et quand étudié, vraiment, il n'est pas authentique.
Et par l'ignorance, tout ça, on dit aux apports, suivre tradition, suivre culture, etc., etc. Et ce qui est plus grave encore, quand il y a une propagande, quand il y a une propagande, pareil comme dans Ville, beaucoup de frères dans le business vraiment. Ou pas faire réclame, ben rien dans le business. Ou faire pas faire. Ou faire. Alors c'est dit, on fait réclame, faire propagande pour ne pas suivre Sunna. Zis quand même, il y a un frère, on peut dire, frère Tadja ou Jean, comme on nous dit en arabe, clair, qui a fait, parce que ça c'est couf ça. Il dit que Sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est l'idolâtrie. Sunna du prophète, c'est l'idolâtrie. Et il a dit, on se fait tout. Qui fait au croire? Parce que ce qu'il peut dire là, il est dans mon avantage. Ce qu'il peut dire là, il est dans mon avantage. Par exemple, dans le Coran, Allah dit Waqimu s-salat, il termine avec nous, il warqa'u ma'ar-raki'in. Alors, si tu as même envie de faire salat, on fait des trois beaucoup pour terminer. Parce que dans le salat, dans le Coran, il a dit faire beaucoup. Wasjudu lillah, vous venez, l'autre dit, vous faites ça, les autres. Mais quelque part dans le Coran, il y a débouté, faire face qu'Ibla. Disons, on a fait face qu'Ibla. Il y a vous débouté, lève-vous la main, ôtez aux épaules, ou soit ôtez l'homme aux oreilles, hein, ou les doigts dans la direction qu'Ibla, pas trop corté, pas trop collé. La pose, la main droite, l'eau, la main gauche. Ensuite, il y a Thana, Subhanakallah, put ça, il y a dans le Coran. Il n'a pas existé dans le Coran. Il y a juste voir qui est Ya ou qui fait qui se peut faire je? Ça va l'idolâtrie qui se peut faire. Ça sera qui nous fait là. Desbin. Allô, ban là. Desbin. Puis dans quelle vallée ça on y a inventé. Donc ça c'est bida ça. Alors quand il y a envie il fait battre des trois sajda. Quand il y a envie il battre des trois roukou. Qui vous a levé dans fraiser là, l'été peut rentrer ici. Il est vert, mais tout fait son ici. Allez. Bizan mansé, c'est pas comme rester côté Sanawas Bouraï là-bas, mansé, vin là, c'est pas bizan en bas ville là-bas, il vient t'aimer, pas le faire namaz, et oula. Mais bah, il en a raison, ça a invention ça. Côté Sanawas dans le Coran, il vient faire namaz, namaz, dit des nazes, pas existé ça. Pas existé ça. Faire namaz, namaz, il vient faire namaz, namaz, dit. Pas existé. Alors, je dis à où, et dans sa campagne là qui peut amener. Sa campagne là qui peut amener contre Sunna du prophète sallallahu. Alayhi wa sallam. Et jusqu'à même, pas dans Maurice, mais il n'est pas drôle dans Mauricien. Il n'est pas drôle dans Mauricien et capable d'en plus pire que ça. Je veux dire aussi qu'il y a besoin dans un pays avoisinant, pas trop loin avec nous, dans Madagascar. Dans Madagascar, dans Majenga. Dans Madagascar, dans Majenga, alors quand nous pouvons faire un coup de formation là-bas, et nous avons l'autre pour faire un coup de balle dans le masjid. Faire khutba l'hôtel qui t'ouvre. Faire khutba l'important suivre sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Correct, nous le faire. Ensuite, on demande à mon frère, mais qui raison? Les là, je dis à nous, que nous sommes dans Maurice, et nous avons qui appelle nous, nous allons prendre notre nom, qui refuse croire en sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que nous, et nous allons et plus tout. Jusqu'à même, nous avons permis preuve depuis hadith même. Je ne pas gagner droit, c'est un peuple qui ne pas croire que ça délouse. Je dis non, on ne pas délouse. D'accord? Je gagne droit à Bori, c'est ça? Je dis non, pas délouse. Après, je dis que je gagne soif pour Bori. Contradiction par contradiction. Mais si pas délouse, qui fait que tu peux boire? Comme ça même, ben, dis moi qui suis passion, désir, si Hadith là, dans un avantage, on vous prend. Alors, ce frère là, dis-moi, nous disons de faire khutba de l'important suivre hadith, suivre sunnah du prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'il y a un groupe de monde qui vient lever dans sa province, ça qui s'appelle Majenga, je trouve un peu au milieu de Madagascar. Un groupe de monde qui vient lever peut dire qui, Rasulullah, n'empêche de suivre hadith. Allahu Akbar, ou tom sek, ah ici ou ici, ben la place pour mettre. Quoi? Les prophètes viennent dire, pas suivre mon hadith. Pas suivre le sunna, suivre le Coran. Côte ça, l'India, ça. Côte ça. Yahu, ala hadith, ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut faire salat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut faire salat. Quand il peut faire salat, soudainement, qui lui fait? Qui arrive? On va faire. Qui n'a pas? Il peut faire salat, soudainement, il fait une action. Qui est-ce action là, ça? Ça va être bonne idée? Hein? Vous avez eu là, oh, oh,
Hein, Hicham? Exactement. C'est quoi ce mot-là? L'intia? Tia ce soudier. Donc, qui côté lui met le droit de mes gosses? Hein? Dans ce côté gosses. L'intia ce soudier, mais dans le côté gosses. Ça dépend là, je vais faire ça là, avec seul. Sur les escalaires, c'est capable de faire avec la marzine ici, avec sans une moquette là, non. Claire, si nous avons l'occasion de faire son lat avec Soulier, vous faire les bruits de contre-dire manière route, quelquefois faire son lat avec Soulier. La litière Soulier, il met d'un côté. Tout ce haba qu'il a derrière lui, je tenais tiers Soulier. Je tenais tiers Soulier. Parce que je connais bien suivre Rasoul, tout ce qu'il lui fait, nous aide. Nous aide. Il y a un problème là? Il y a un problème. Rasoulullah, parmi les particularités qu'il tient là, il se fait trop pas derrière lui. Il dit bon, je connais ça. Dans le fin de dimanche, il avait ça, quoi, notre diamant, même ça. Il se fait trop pas derrière lui. Alors, il connaît tout cela. Ziscalé, il y a des gens qui connaissent qui, tout le long de Sadida, se déplient par un noir et cela haut, monté dans l'air comme ça. Ziscalé. Ziscaler, il y a du monde encore tal sur avant-bras dans sa dita. Ziscaler, ziscaler, il y a du monde encore faire haut les mains dans sa dita. C'est son armée qui passe sur la tête tout. Vous connaissez ça? Ziscaler, il y a du monde pas connaît comment assiser dans Kaïda. Ziscaler, ziscaler, il y a du monde pas connaît comment lever la main. Allahu Akbar. En des mois, on a ça grossé à la tête là, moi. Allahu Akbar. Je vais trouver du monde qui va l'avoir comme ça. Je vais trouver ce monde. Créer comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est un autre modèle. Alors, ziscaler. À cause de ça, que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam lui dire, il a dit monde, il atteint 60 ans d'une faire soir là. 60 ans d'une faire soir là. Écoute bien, c'est tout un grand. 60 années d'une faire soir là. Un recours, un sadida, elle n'a pas accepté pour lui. Ou pas gagner payer? Gagner payer ou pas gagner payer ça? 60 bananes, il fait la main. Il a dit, pendant 60 ans, il n'a plus que 60 ans. 60 ans. Parce que si 60 bananes, il fait la main, il faisait plus que 60 60 ans. Il dit, un salat, Allah n'a pas accepté pour lui. Qui fait? S'il fait un recours bien, il peut faire sa diable. S'il fait sa diable, il fait un recours bien. C'est-à-dire, il n'a dit, mon, ziscaler encore, pas faire recours bien. Ziscaler, pas faire sa diable bien. Et pas si dans le recours, sa diable entier soit là. Entier soit là. Il y a des gens dans son lac, et à un moment donné, il décolle. Il décolle, et quand il y a l'hélicoptère, on s'abrite. Qui c'est ça? Qui ça, ça, ça? Qui côté? C'est un gardien, moi, ça. Il m'a dit dans l'air, moi, l'hélicoptère, avant de rebaisser. Hein, Hicham? Voilà, Dalin. Amen. Vous connaissez ça? Il dit que je pousse, après il rebaisse. Qui c'est ça, ça? Vraiment, Chams? Hein? À cause ça, il est mauvais de me dire, salut camarade, et tout le monde est au salut, fais un salat, moi je ne trouve pas faire. Fais un salat. Alors, révise nos salats, mon frère. Révise nos salats, je vous trouve ça un exemple des ibadat. Alors, l'obéissance à Allah, c'est l'obéissance du prophète, c'est l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, dit, sahih muslim, c'est lui qui fait obéir à moi. Certainement, il fait obéir à Allah. Je vais te continuer avec la mégousse, même toi. Tu continues avec la mégosse, qui fait? On dit là? On dit là? Tu continues avec la mégosse, qui fait ou quoi avec la mégosse? Viens, va y s'en sortir. Ascoli gosso. Ascoli gosso. Oui, mon comprends, tu vas pas écrire avec la main droite, tu écris avec la mégosse. Ok, puis mange. Manger, puis il y a un gosseur dans manger, obligé de manger avec la main droite. Ça, un exemple. Nous devons prendre simple, simple la loi dans le Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, quand je désobéis, je ne mange pas avec la main droite, je mange avec la main gauche. Je désobéis à qui ça là? Allah, je désobéis à Allah. Qui fait? Parce que c'est lui qui obéit à Rasulullah, il obéit à Allah. Nous, inversé, nous disons, c'est lui qui désobéit à Rasulullah, il désobéit à Allah. Il est trop simple. Ben, frère, prends précaution. Prends précaution. Pas juste comment dire, je peux couvrir, je peux faire mon faraz. Non, fais très attention. Parce qu'il va manquer, moi qui est dans le faraz. Zou kayamet. Allah pour passe l'éponge l'eau là pour qui? Avec nos sunnat et nafil. Créant,
et ban bon action li efface nou ban mauvais action comme les prophètes dit innal hasanati yudhibna sayyiat Allah dit ça dans le Coran certainement ban hasanat li efface ban sayyi'a alors se prend compte ça ban petite chose et dans notre hadith que ban ans donne l'exemple Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme celui qui peut inviter un dîner dans un château les prophètes sallallahu alayhi wa sallam fin faire nous connaître qui ça ban ans a dit dire ban ans a dit dire c'est lui qui obéit à Muhammad certainement il fait obéir à Allah c'est lui qui désobéit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam certainement il fait désobéir à Allah et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait une division parmi ban djimoun entre ban musulmans et ban non musulmans entre la vérité et faux suivre entre la vérité et faux suivre donc quand nous mangez ça c'est l'exemple quand nous dormons quand nous lever, quand nous rentre dans toilette, quand nous sortit, quand nous coiffe CV, quand nous paye CV, quand nous taille CV, quand nous met l'aise. Prends compte, ça va une petite chose. Prends compte, ça va une petite chose. Ça, numéro un. Numéro deux, mon frère et ma soeur, et nous terminons avec ça. Nous prenons déjà un point qui montre nous l'importance. Suivre sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Suivre sunna. Quand nous disons sunna, c'est tariqa, la façon, la modalité. Pas ça sunna après. Après namaz et chaque après namaz maghrib là là non on va dire au sens sunna modalité par exemple suivre sunna dans faire salat un dimanche si il debout devant debout dans salat un petit mal au pied droit un petit mal au pied gauche comment au pied gauche faire mal au pied droit allez mon ça vous vous êtes comme ça clair il y a ta salamé qui a fait comme ça il est salamé comment cheikh aziz farhan al anazi un problème un grand alim dans sa époque là il dit et un dimanche quand il fait Allahu akbar il fait comme ça hein Il dit, mais si tu veux faire comme ça, plutôt parler la main. Mais si tu veux faire comme ça, plutôt parler la main. Parce que la main, vous allez lire ça au tiers. Mais si tu voulais lire comme ça, c'est plutôt parler la main. Parce qu'il fait, hein? Tout le départ. Si tu veux comme ça, péché, parler la main, c'est péché. Clair? Alors, parler la main, pas fatigue-toi. Alors, ce qu'on nous dit, sunna, c'est tariqa, rappelle bien. Ici, nous peut dire, tariqa de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, l'obéissance au prophète, c'est l'obligation, l'ONU. C'est pas pour choix, ça. T'as envie de suivre, te suivre. T'as pas envie de suivre, te pas suivre. Créant? T'as envie de suivre. Il y a de là, par exemple, dans le maillot, à part ça. Créant? Dans le maillot. Créant? Quand on a le maillot, qui vous trouve, hein, panel, ban, alim, in, tout le monde alim. Tout le monde connaît. Créant? Mais mes oreilles, c'est tout ce qu'on appelle étranger, étranger. Mes oreilles, tu entendais. Tiens, les sons, après, elle apprend. Créant? Ça n'a pas dit comme ça, mais ça n'a pas dit comme ça, ça n'a pas dit comme ça. Ça n'a pas fini du quoi? Un kalakin bo, rahimahullah. Un autre kalakin listé. Tu n'as pas gagné un roi tout si, tu n'as pas gagné un roi guetli, tu n'as pas gagné un roi sécotil, tu n'as pas gagné un roi guetli, tu n'as pas gagné un roi guetli, tu n'as pas gagné un roi. Oh, kalak maïus, oh, kalou maïus, inal dan, kwa wadu ben inal. Il fait liste. Qu'est-ce que c'est ça? Créa? Le kalak dit, ouais, mais ça a une qualité, non, ça n'a pas fait partie, allez, bah, nous devons respecter tout. Alors, mon frère, l'obéissance du prophète, c'est une obligation, ça. C'est pas qu'on va dire si tu as envie de faire comme ça, si tu as envie de faire comme ça, non, il faire comme ça, non, faire comme ça. Non, attends, attends. Il y a un problème, là. Il y a une question de paradis, l'enfer, là. Il vous venez, mon frère, vous dit quand vous cause bida, zou kayamat, kot kawsa, kot haou, bassin, kot kawsa, vinzet de l'eau. Qui peut arriver, là? Qui peut arriver? Nous, on est content d'être fait, ou pas casse la tête, li bon, li pas bon. Attends. C'est un jour que du monde pour regretter à cause bida. Pour regretter à cause bida. Donc fais très attention. Pas ça sunnat qui nous veut dire sunnat après namaz, avant namaz. Pas parce que ça veut cause toi les ta façon manger là toi. Dit après toi les ta de Rasulullah ou soit ton imite kuffar, tu gagne péché pour ça. Ça qui nous peut causer. Alors il y a l'obligation de nous, il n'y a pas au choix de envie faire ou pas envie faire. Non, pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 59, verset numéro 7, et nous termine avec ça ayat là, et nous prenons un exemple là, qui vient dans la tête, « Wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. » Ce qui Rasul là vient avec ça, prend, et ce qui l'empêche, créant, allons éviter. Ce qui vient avec ça, prends-le tranquille. Prends-le tranquille. Mets-le en pratique, et ce qui l'empêche, évite ça. Et ça c'est ça aïe le Coran mon frère et ma soeur ben dis-moi
Souvent des fois pose question, mais dans le Coran il dans ça, dans le Coran il dans ça, dans le Coran il dans ça, dans le Coran il comme ça, dans le Coran il comme ça. Alors ça c'est réponse qu'Allah nous donne ça. Wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Car Allah veut dire wa aqimu as-salah, l'intérêt du Coran, wa rak'u ma ar-raki'in, faire ruku avec ban qui fait ruku, wasjudu faire sajda. Dipandia apporte ça, dipandia faire tashahhud, faire salam, faire takbir. Lève la main, t'es l'autre, il va dire tout ça là. Mais quand nous parlons de tout ça là, dans le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, inshallah, pour les devant encore, pour un moment, ceux qui montrent l'importance sunnah, c'est sunnah, il explique le Coran. Sans sunnah, nous n'avons pas pour capable de suivre le Coran. Sans sunnah, nous n'avons pas pour capable de suivre le Coran. Si nous pouvons prétendre qu'il nous suit le Coran, vraiment, nous n'avons pas pour capable. Nous n'avons pas pour capable. Alors, ce qui est l'exemple que tu as envie de nous dire, là, qui joue là, un jour, je dire, moi, concernant la polémique qui tient là, concernant qu'il y a casse-rose. Hein? Qu'il y a casse-rose. Hein, Hicham, qu'est-ce que tu veux faire, Iftar? Hein? Dans le qu'est-ce que tu veux casse-rose? Hein? C'est une casse-rose qu'il y a. Après ça? Fais-le avec vous. Mon soleil poussé, mais dans le Coran, Allah n'a pas dit ça. Dans le Coran, Allah n'a pas dit ça. Allah dit wa atimu siyama ila layl. Et complète rosa jusqu'à asoir. Asoir. Jusqu'à layl. Layl veut dire asoir. Moi, le verbe dictionnaire arabe, layl veut dire night. Alors, ça, dis-moi là, ça, c'est une madame ça. Une madame, quand il entend ça, convaincre là-dedans. Il y a tout ça banané là, avec cachette, nous la vérité. Hein? Tout ça banané là, mon rosa, par moi, astien, moi, comment se garde bon rosa là. Astien, moi, comment se garde bon rosa. Créant? Moi, comment se garde bon rosa là? C'est assoir qu'on fait noir. Hein? Astien, noir là, qui est là? Qui a été noir ça? Noir là, fait comment se faire noir? Quand il finit, comment se faire noir? Quand il est intensifié, un petit Allah, je vais m'en charger, si il est à Wakab. Quand la nuit est intensifiée, un autre problème, ça veut dire Allah, veut dire la nuit est intensifiée. Ça n'arrive pas, mais le problème là, la nuit, qui la nuit ça? Quand la nuit est intensifiée. Qui veut dire la nuit est intensifiée? Elle commence à intensifier. Mais quand le soleil fait pousser, on trouve un rayon soleil et tout. Le soleil finit de pousser. Alors, l'in quitte le hadith complètement. Il dit arrêtez de suivre le hadith. Arrêtez de suivre le hadith. Coran, c'est. Moi, j'ai dit, il y a une seule si c'est une seule masala là où vous suivez le Coran, vous arrêtez de faire cela, tout là, comment dire. Vraiment, si. Hajj, comment on peut le faire? Sans dire que vous allez nommer quand on fait Hajj. Quand il y a le Coran, un coup. De là, quand ça, le Coran, il dit que vous allez nommer quand on fait Hajj. Il y a quelqu'un qui a le Coran. Hajj, pour commencer, moi, je dis ça, ma langue, pour tomber au pied là. Hein, qui, moi, je dis solide, solide pour rester, avec moi, qui est bien hier là. Quand la rose avait tombé, là, nous avons pied là, nous avons toi de rester là-haut. Ou l'islam, vous venez quoi? On va dire Tchalni qui met la farine là-dedans, qui termine la farine. Troué. Ça, comme ça, l'islam, vous venez là? Comme ça, qui est l'islam, vous venez? Ou Hajj, comment vous venez? Côte ça dans le Coran, à l'Indial Badjamara. Côte ça, j'en veux. Côte ça. Côte ça, India, ça, pas India, aucun place. Côte ça dans le Coran, India, vous allez rester dans Mina. Côte ça. Hein? Quand ça y a le Coran, pas y a. Finalement, qui va avec là? Voilà, mon frère, quand on quitte le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut venir plus de détails, inshallah ta'ala. Donc, ça, c'est le deuxième point. L'importance sur le sunnah du prophète alayhi salatu wassalam, c'est une obligation de nous. Ça nous pas pour capable de pratiquer din sans sur le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, beaucoup quittent chose. Sinon, beaucoup quittent chose. Quand ça dans le Coran, il y a quand tu parles de Jalabi, quand ça dit ça. Qu'est-ce que ça dans le Coran? Quand on va le toilet, tu vas le laver. Quand on va le faire stinja, tu vas le laver. Qu'est-ce que ça? Hein? Arrête de laver. Voilà qui est arrivé quand on délaisse le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère, alors je me demande à Allah pour la main de nous la compréhension de ce qui nous fait écouter, de découler dans nos cœurs. Et Inch'Allah, comme on dit, Inch'Allah, nous vous trouvez. Si vraiment nous amoureux avec Rasulullah, c'est sur ce tariqa, sur ce sunnah. Inch'Allah, nous allons être là le mois prochain, Inch'Allah, pour une deuxième session. De l'importance sur le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahu alayhi wa sallam.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.